vidéos. Je m'appelle Bruno et je suis séropositif. J'ai appris que j'avais le VIH à l'âge de 19 ans. J'habitais encore dans une petite ville chez mes parents, en fait. Et dans mon cas, j'ai eu une séroconversion. C'est-à-dire que j'ai été malade pendant 2 semaines. La plupart des gens qui attrapent le virus s'en apercevront même pas. Dans mon cas, j'ai été vraiment sur le cul, une bonne gastro pendant 2 semaines. J'étais allé à l'hôpital. Puis sur le coup, bon... Ils m'ont jamais vraiment parlé de VIH, ils m'ont pas parlé nécessairement de faire de tests de dépistage à ce moment-là. C'est seulement, je pense, 6 mois plus tard que j'étais allé chez le médecin, elle m'a fait faire les tests, puis donc 2 mois, 3 mois plus tard que là, on a eu les résultats, que j'avais le VIH. Dans ma petite ville, il n'y avait pas grand monde qui savait comment réagir avec le VIH. Il y avait très peu de ressources là-dessus. J'en ai d'ailleurs pas beaucoup parlé à des gens. Ça a pris 6 mois même avant d'en parler avec mes parents. Un soir où j'étais complètement stressé, triste, quoi que ce soit, que je me suis mis à brailler dans le sous-sol. Mes parents qui se réveillent, qui me disent « qu'est-ce qui se passe? » Puis en fait, quand je leur ai dit que j'avais le VIH, leur réaction, c'est de dire comme, « comment t'as fait pour garder ça tout ce temps-là? » Puis en fait, mes parents ont quand même bien réagi, m'ont bien soutenu là-dedans. Puis j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi dans cette période-là, jusqu'à temps que je déménage à Montréal. J'arrive à Montréal à 20 ans et ben, c'est sûr que sur le coup, le VIH, ça l'aide pas nécessairement. J'ai quand même rapidement rencontré quelqu'un. J'ai été pendant 6 ans, j'ai été marié, en fait. Sur le coup, c'était un étudiant en voyage à Montréal qui était juste là pour un été. Fait qu'on se protégeait, donc on a été par la suite ensemble pendant 6 ans. On était en relation ouverte, donc aussi, on avait, à travers tout ça, on avait d'autres partenaires sexuels. En 2008, il s'est passé, si on peut dire, une découverte. La Commission suisse ont déposé leur position. C'est-à-dire qu'ils ont découvert, en analysant toutes les données, que quelqu'un donc qui était indétectable ne transmettait pas le VIH. C'est une intervention locale, mais qui a fait une retentition internationale. C'était une période où... les médecins, quand on disait que tu avais le VIH, ne te donnaient pas tout de suite le traitement parce qu'on avait peur de tout ce qui était résistance qui se développe. Une fois qu'on a su ça, par contre, là, ça a complètement changé le paradigme. Au contraire, on a fait comme « OK, maintenant, on sait qu'une personne ne va pas transmettre le virus, donc pour réduire la charge virale communautaire ou globale, pour éviter le plus de transmission, on va mettre le plus de gens possible sous traitement. » C'est là que moi, j'ai commencé à me dire « OK, même si j'avais peur de prendre des médicaments, parce que c'est prendre des pilules à tous les jours, là, je me suis dit, j'ai commencé mes traitements, ma charge virale était rendue quand même assez basse. En 2013-2014, après ça, une autre découverte a été faite qui est la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui est une pilule, en fait, qui est donnée aux personnes séronégatives pour éviter que les personnes attrapent le VIH. Après, quand j'ai commencé à prendre mes médicaments, je me suis retrouvé aussi rapidement en couple avec deux autres gars qui sont aussi séronégatifs. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et encore aujourd'hui, ils sont encore séronégatifs. Et c'est seulement vers 2015 à peu près qu'eux ont commencé à prendre également la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, parce que comme on est en relation polyamoureuse, ils voulaient aller voir d'autres garçons, donc ils voulaient arrêter d'utiliser le condom avec leurs autres partenaires, tout en étant protégés. Puis maintenant, en effet, avec la médication, c'est beaucoup moins stressant au quotidien, on n'y pense plus nécessairement. J'ai souvent vécu le stress de la part des gens, puis c'est pas quelque chose de le fun à vivre dans la relation. J'en vis déjà avec tellement de culpabilité d'avoir attrapé le VIH de nos jours que de vivre le stress de quelqu'un d'autre, de devoir le rassurer, des fois c'est trop. Donc, fais confiance à la science, puis pourquoi tu t'empêcherais de vivre quelque chose avec quelqu'un si t'as envie à cause de ça? Prends ce qu'il faut pour te sentir à l'aise puis te protéger. Raconte-moi le jour où tu as découvert ta séropositivité. Le jour, je m'en souviens plus trop parce que c'était il y a 30 ans. C'était suite à une rupture, ça je me souviens. C'est quelqu'un dont j'étais très très amoureux et qui était séropositif mais qui ne me l'avait pas dit. Et quand on a rompu, il m'a annoncé qu'il était séropositif. De fait, je suis allé faire des tests et je l'étais aussi. Comment t'as réagi?
Le monde s'est écroulé. Il y a 30 ans, c'était particulier. J'ai eu envie de mourir, j'ai eu envie de le tuer, j'ai envie de... Voilà, c'était la fin d'un monde. Surtout qu'à cette époque-là, quand on nous l'annonçait, on nous annonçait que 6 mois après, on était mort. Donc c'était assez horrible. Ouais, j'en parle pas souvent, parce que c'est déjà parce que ça fait longtemps, mais aussi parce que c'était l'annonce de ma mort, en fait, mais qui n'est toujours pas arrivée. Donc c'est plutôt... Et toi? Bah, moi, c'était dans un contexte très différent. C'était il y a 10 ans, quasiment. Je revenais d'Angleterre, où je venais de passer une année, et le mois avant que je revienne, en fait, en France, je suis tombé très malade. Donc j'avais une sorte de grosse grippe, et en plein été, une grosse grippe, c'est un peu louche. Pour moi, il n'y avait pas trop de doute que ça pouvait être le VIH, donc je suis allé faire un test à Aide. Et j'ai effectivement eu un test positif qui a été confirmé ensuite par un médecin. Sur le moment, j'ai pas vraiment réagi négativement, parce que je savais aussi que il y a 10 ans, les traitements étaient beaucoup mieux et qu'on pouvait vivre quasiment normalement et avec les traitements. Donc, j'étais pas forcément très inquiet, même si par la suite, ça aura eu des répercussions sur moi. Et la façon dont ça t'a été annoncé, c'était parce que moi, j'ai un mauvais souvenir aussi des médecins, en fait, qui m'ont annoncé ça, qui voyaient ça d'un très mauvais... Enfin, c'était terrible, en fait. On était des pestiférés, donc... Ah ouais? Avec des réflexions... Oui, c'était... On était coupables, on était... Bah, moi, j'ai eu quand même la chance d'être tombé sur une médecin qui est... Voilà, elle avait des années d'expérience dans la prise en charge du VIH, et du coup, elle a été super. Très rassurante, très bienveillante, et avec les bons mots. C'est vrai que le rapport à la maladie est plus du tout le même, en fait. Donc ça, c'est... Quand on me l'a annoncé, la première chose que j'ai dit au médecin, c'est que de toute façon, je ne mourrai pas de ça. Et donc, j'ai fait un peu du déni, on va dire, quelque part. Et c'était aussi parce que on était, oui, des pestiférés. Moi, je me souviens quand j'allais en consultation à l'hôpital, c'était dans la cour du jardin, dans des préfabriqués. On n'avait pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Il ne fallait pas qu'on ait de contact avec les autres malades, éventuellement, parce qu'on pouvait être... éventuellement contaminant de je sais pas trop quoi, donc c'était quelque chose d'horrible, et donc je voulais pas vivre ça, donc pendant longtemps j'ai refusé les traitements. Moi j'ai été contaminé en 90 et j'ai vu tous les gens mourir avec la ZT, donc je disais mais moi j'en veux pas, donc j'étais contre l'avis des médecins, parce que c'était la seule solution qu'ils avaient à l'époque. Et qu'est-ce qui t'a motivé en 96 du coup à prendre un traitement? Des nouvelles thérapies qui sont apparues et qui étaient beaucoup moins toxiques, en fait, que la ZT. C'était une période... on a tous en tête ce que ACT UP a pu faire à ce moment-là. Enfin, moi, je n'étais pas militant. J'étais absolument pas... C'était un peu chacun pour soi, quoi. Je voulais sauver ma peau et je me disais que c'était pas comme ça que j'y arriverais. Avant, on apprenait à mourir, on accompagnait les gens vers la mort. Maintenant, on essaye de les aider à vivre. Et ça, c'est un grand changement. J'ai été persuadé pendant longtemps que je passerais pas 40 ans. Quand j'ai eu 40 ans, pour moi, c'était pas normal. Et maintenant, je vais avoir 50 ans. Donc maintenant, j'arrive un peu à me persuader que finalement, je vivrai autant que tout le monde, et peut-être même mieux. Quand j'ai découvert ma séropositivité, c'est vrai que la société avait déjà un peu de recul sur qu'est-ce que c'est que la vie avec le VIH, sur les modes de transmission, et la société, mais aussi la communauté. Je pense que ça a été plus simple pour moi de découvrir ma séropositivité à ce moment-là que ça a pu l'être pour des personnes dans les années 80-90.
Je dis pas qu'il n'y a pas eu des réactions négatives, mais il y en a toujours, à la fois parce qu'il y a toujours une peur du VIH, une peur de ce à quoi ça renvoie. Ça renvoie à la sexualité, ça renvoie à certaines minorités que la société n'aime pas forcément, les usagers de drogue, les homosexuels, les personnes prostituées, tout ça. Et tout ça fait que on reste quand même avec le VIH, avec une image un peu diabolisée. T'as jamais été confronté à des médecins qui veulent pas te soigner parce que t'es séropositif ou des choses comme ça ? Parce que moi, ça, c'est des choses que j'ai vécues. Bah, en fait, non. J'ai déjà été confronté à, ben, par exemple, quand tu vas chez le dentiste. Oui, par exemple. Effectivement, j'ai pas été confronté au fait de passer en dernier, mais par contre, j'ai déjà eu, en allant chez le dentiste, à la fin de la consultation, la dentiste qui dit à son assistante qui va nettoyer, elle lui dit, en étant très mal à l'aise et très discrètement, mets des gants. Donc moi, je me suis tourné vers son assistante et je lui dis, bah oui, mettez des gants comme d'habitude. Hein. Donc j'ai jamais eu de grosses discriminations au niveau des médecins. Les médecins aujourd'hui sont plutôt bien informés. Mais le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils connaissent pas bien et ils vont me réorienter sur d'autres médecins en me disant non, il y a une spécificité sur le VIH et on sait pas faire. Du coup, comment c'était la première trithérapie que tu as pris ? La première trithérapie que j'ai pris, c'était 4 pilules par 2 fois par jour. Et donc c'était assez lourd, c'était des médicaments assez toxiques pour le corps. Mais malheureusement ou heureusement, c'est aussi ça la seule chose qui nous permettait de survivre, on va dire. C'était des traitements très lourds qui rendaient vraiment malade. Globalement, c'était pour la plupart des gens, on n'était pas très bien. Des diarrhées, des maux de ventre, des maux de tête, des jours où on avait les muscles qui étaient paralysés, qui faisaient qu'on pouvait difficilement bouger, etc. Et puis, relativement rapidement, il y a eu les trithérapies qui sont arrivées. Et ça a un peu changé, ça a un peu changé la vie aussi de beaucoup de gens. On est arrivé à des traitements où ils associent en fait différentes molécules dans le même cachet, ce qui fait que aujourd'hui on prend un cachet par jour. Quoi. Donc c'est une grosse révolution autant pour le corps que pour l'esprit, je dirais, parce que quand on partait quelque part avec ces boîtes de médicaments, à savoir 8 médicaments par jour, on avait des piluliers, enfin des trucs, c'était compliqué à gérer aussi. Et puis c'était une époque aussi où justement être séropositif, c'était un peu compliqué, donc on se cachait pour prendre nos médicaments parfois. Mon premier traitement, c'était 2 comprimés 2 fois par jour. Ensuite, quelques mois après, je suis passé à 3 comprimés 1 fois par jour et quelques mois encore après, je suis passé à 1 comprimé tous les jours. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis à 1 comprimé tous les jours, mais 4 jours par semaine. D'ici quelques années, on aura peut-être la possibilité de ne pas plus avoir à prendre 1 comprimé par voie orale tous les jours ou 4 jours par semaine, mais parfois 1 comprimé par semaine ou une injection tous les 2 mois. C'est déjà en test depuis 3 à 4 ans déjà, l'injection, et a priori ça donne des bons résultats. Le jour de mes 20 ans, j'ai annoncé que j'étais homosexuel et séropositif. Donc ma mère s'est mise à pleurer en me disant je le savais. Ma sœur aussi, et mon père a dit, et alors qu'est-ce que ça change ? Ça n'a jamais vraiment posé de difficultés à ma famille, en fait. Mais il y a eu des craintes, certainement, à un moment ou à un autre. J'ai simplement expliqué que je pouvais mourir, parce qu'à l'époque, on pensait que j'allais mourir. Et toi ? J'ai tout de suite annoncé à mes proches amis que j'avais contracté le VIH. Ils ont été super. Alors beaucoup étaient déjà des personnes assez engagées dans la lutte contre le sida, dans les associations LGBT, donc connaissaient bien le sujet. Ils ont été très soutenants, très proches, aussi inquiets. Et ensuite, je l'ai annoncé un peu plus tard à ma famille, peut-être quelques mois plus tard, parce que j'avais pas envie de l'annoncer tout de suite. J'avais d'abord envie d'avoir ma prise en charge médicale qui se passe. Et pouvoir leur montrer aussi que tout se passe bien. Ça s'est bien passé parce que je les ai
noyé d'informations très oui, positives parce qu'il y avait beaucoup sur, d'informations. sur comment ça se passe, c'est quoi les traitements, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. J'aurais montré mes résultats d'analyse et puis je les ai emmenés voir mon médecin. Et je pense que le côté blouse blanche, ça les a rassurés aussi par rapport à ce que je pouvais leur dire. Je pense qu'ils se disaient que j'essayais trop de les rassurer, mais au moins le fait d'avoir...